Salut les fans, je suis Franco. Si jamais un jour quelqu'un vous dit qu'il a déjà tout vu dans sa vie, demandez à cette personne de faire un saut au Cameroun. Pourquoi? Pourquoi? Ouah les gars, calmez-vous non? Vous voulez savoir? Oui. Ah, vous dites que vous voulez comprendre le Cameroun? Oui. Ok, confirmez alors. Le MRC prend feu au nom de Jésus avec son leader. Jésus! Quoi? Le MRC prend feu au nom de Jésus avec son leader. Et qui est? Le feu sur eux. Au nom puissant de Jésus. Vraiment, c'est malheureux. Pasto, tu dis au nom de qui, papa? Au nom puissant de Jésus. Hey, laisse les gens. Qu'on appelle ça quoi? Tout ça, c'est le manga. Hein? Seigneur, jusqu'à quand? Ça doit être vraiment le manga, Fingon. Et bon. MRC signifie encore quoi, là? Réponds toi-même. Mouvement pour la renaissance du Cameroun, hein? Ok, tu demandes encore à qui? Vous voyez même que ça manque, non? Menti comment, Pasto? Alors qu'ils voulaient enterrer le Cameroun. Enterrer comment, non, Pasto? C'est le mec. Tu es sûr? C'est le quoi, Pasto? C'est le mec. Le mec veut encore dire quoi, Pasto? Mouvement pour l'enterrement du Cameroun. Quoi? Mouvement pour l'enterrement du Cameroun. Azambawam, tes gros noyaux. Tu es comme un cafard. Sale rat. C'est maman. C'est le mec. On peut faire ça? Non. Ça, c'est pas normal. Quoi? La politique fait déjà quoi dans les églises? Point d'interrogation. Vraiment, voilà l'une des raisons pour laquelle moi j'ai fui vos histoires des églises. Là. C'est pas un homme de Dieu, c'est un gousseur. Non! On quitte là-bas! Mais ils ne peuvent pas enterrer le Cameroun. Ils ne réussiront jamais. Qu'est-ce que vous parlez? Le père, moi je suis dépassé. Dans ce pays, mon frère. Vraiment, la main, c'est terrible. C'est un crime. C'est de la gâchis, ce que tu es en train de faire au Camerounais. Moi, je vous observe seulement maintenant. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Pasto, pourquoi tu appelles un parti politique mec? Vous savez que le diable part toujours à l'envers. Ce qui veut dire quoi, papa? Quand il dit paix, ça veut dire guerre. Jusqu'ici, je ne comprends pas. Quand il dit renaissance, ça veut dire enterrement. Tu mens. Attendez un peu, quand il dit quoi, Pasto? Quand il dit renaissance, ça veut dire enterrement. C'est prostitution qui est mieux pour toi. Un bâtard comme toi. Pasto, quelles sont les raisons de tes propos? Il est arrivé au mauvais moment. À un très mauvais moment. Quand le Cameroun est déjà piégé. Piégé comment on passe? Avec le sang de Jésus un peu partout. Tu es sûr? Même au nos os. Avec le sang de Jésus un peu partout. T'es giflé à la bouche. Hein. Nous remercions le Seigneur. Amako kaki. Lis-vous, la sorcellerie n'a pas la honte. Je vous regarde seulement. Moi-même, mouton, c'est la délivrance que je suis en train d'attendre pour quitter le Cameroun. Asseyez-vous. Qui es-tu là? Qui es-tu? Yes! Enfin, la délivrance commence. Les gars, confirmez la délivrance dans nos églises d'aujourd'hui. Qui es-tu? Une liaison. Quelle liaison? Tu es quelle liaison? Anja Kamto. Quoi? Anja Kamto. Ouah, les gars, ne riez pas encore. Confirmons la magie noire. On se sert de toi. Oui. Bon, en tant que toi, tu es donc quoi? En tant que les Amériques, en tant que liaison, c'est quoi? Debout. Je suis la vraie guerre. C'est la guerre qui lie Kamto et les Amériques. Ils viendront bombarder. Bombarder où? Attends, on voit. D'ici, début janvier. On va demander à Bia d'expliquer ce qui se passe réellement. Que quoi? Que celui qui a dit à Kamto de... Non, par rapport à ce qui se passe. Vous savez quoi? Je vous laisse découvrir l'intégralité de la vidéo où le pasteur est en train de livrer, où il cause avec ses fidèles. Confirmez vous-même. Quoi? Au sud-ouest et au nord-ouest. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est chacun qui vient maintenant à son tour. Ce n'est pas eux qui organisent ça. Mais ils savent, non. Hein? Tu vois là où celui-là passe à coucher maintenant, non. Qui? C'est Kamto, c'est Kamto. Il passe à coucher sur quoi? Les qui sont en train de vouloir prêter main forte. À qui? Au Cameroun. À ceux qui plaident
Au sud-ouest. Les Américains? Voilà. Ha! Je vous ai dit qu'au Cameroun, il y a toujours. Confirmez vous-même la délivrance. Ça sera là le point de départ maintenant. Quand il parle même de sécessionnistes, c'est même les qui? Avec qui l'autre de... Si c'est Nagui, là, a fait la réunion. Le Cameroun les connaît. C'est pas possible. Ils sont même représentatifs pour le sud-ouest et le nord-ouest. Et les qui? C'est un plan. Oui, c'est un plan. Comprends comme ça, c'est un plan. Point. Non, ne riez pas. C'est la délivrance, non? Écoutons. C'est démantelé. Et toi, Liaison, on va te couper maintenant. Là. Tu es même venu là pour que tu sois coupé. Mon pays a toujours. Celui-là. Qui? Kamto. Uh-huh. Lui-même, il n'a plus de pouvoir. Ça se sent, non? Et lui-même, on se sert déjà de son nom. Tu comprends, non? Uh-huh. Pour faire quoi? Pour faire tout ce que tu vois. Que son nom est quoi? Dis-vous, la sorcellerie n'a pas la honte. Ma soeur, laisse-moi. Là où ils sont, ils ont déjà oublié même qu'ils sont à l'église. Ils pensent qu'ils sont déjà au bas. C'est un Américain qui est derrière. Et il habille comme tout. Uh-huh. À lui-même. N'existe plus. Il n'existe plus. Il est fini ici depuis l'année passée, non? C'est maintenant un bruitier. Il n'est plus le propriétaire de l'avocatier. C'est maintenant un bruitier. Waouh, c'est à devenir les commentaires du bar pasto. Et ceux qui vont prendre ces bruits au sérieux m'étonnent. Mais bien lang sugolo. Elang vert ou jaune. Elang. Elang azout. Le dit elang. C'est quoi? Le problème qui se pose est que lui-même il sait que déjà, à partir de tout ce qu'il a fait, bien trop bon. Quoi? C'est la goutte d'eau qui a traqué, a débordé la vase. Pardon, je vais soulever mon congé. Tu comprends? Pour le laisser en liberté. Voilà. Uh-huh. Et lui-même, il sait que d'ici peu de temps, on va encore le faire entrer. Mec, il faut laisser le chanvre. Et lui-même, il sait encore que... Parce qu'il ne mérite même pas le dehors. Ai-je grand frère? Il sait encore que là où il est là, on ne va même pas lui autoriser. Laissons le banga, baissons la dose, ce n'est pas bon. Tu comprends, non? Et de faire quoi? De faire ce que lui-même, il dit là. Tu sais que... Souvent, on dit qu'il faut quitter les choses avant que les choses ne te quittent. C'est ça qu'il a voulu faire. Donc, pour se voir grand. Voilà. Uh-huh. C'est un petit sage. Pour se voir grand. Voilà. Mais certains vont voir que, oh, vraiment, hein, sa décision-là, hein, ça va créer des troubles, machin. Lui-même, il sait. Quel trouble? On devait rejeter. Les gars, nous sommes toujours à l'église. Hein. Le pasteur table d'hiver avec l'une de ses fidèles couchées pendant que l'autre sont debout en train de regarder, de sortir les yeux pour voir. Et c'est pas en matière de calcul. Les bamileke sont quand même forts. Vois-moi ces anciennes fesses. Une de la voix. Lui-même, il a calculé. Avec toutes les gaffes qu'il a commises. J'ai dit qu'il a calculé. À la présidentielle, là. Il a su qu'il ne peut rien. Son parti ne peut rien faire. Et lui-même, il a su. Que maintenant, là, partout où il part, il est rejeté. Qui va le voter? C'est maman. Oui. La honte de ça. Donc, il préfère dire, on ne part pas aux élections. Voilà. Et il donne des bêtes raisons. Et maintenant, pour soulever les autres de l'autre côté, ceux qui sont... Bon, ça va. On a compris, non? Les fans, je préfère couper. Le jansi, hein, c'est la magie, la sokoto. La mamie pi. Vous comprenez? Abonnez-vous pour ne plus rater l'une de mes vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.